Tout-Puissant, Jéhovah, soit loué à jamais, au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. C'est encore une fois un privilège de la part du Seigneur pour que nous puissions encore venir ensemble pour une tranche de prière d'aujourd'hui. Je peux dire bonjour à ceux qui vont être de suivre être en ligne avec moi ici aux États-Unis ou bien au Canada ou bien en Amérique du Sud parce que c'est la journée ici. Ça sera peut-être bonsoir pour ceux qui sont en Afrique, à Bunia, à Beni, à Goma, au Rwanda, en Ouganda et ça et là en Afrique. Et bonne nuit pour ceux qui sont là-bas en Inde et en Philippines et bonne journée aussi pour ceux qui vont nous suivre en ligne à partir de Australie. Que Dieu bénisse richement et que sa paix soit avec vous. Alors, avant de commencer la prière, nous allons lire et posséder la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et que sa grâce repose sur vous. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir sur quelques mots de prière qui seront prononcés encore une fois ce soir, ou bien ce matin, ou bien ce moment. Je vais lire juste dans Marc chapitre 11, à partir du verset 21 et le verset 22. Après, on va lire dans Hébreux, épître de Paul aux Hébreux. Pierre se rappela de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, Ayez foi en Dieu. C'est ça la réponse de Jésus. Ayez foi en Dieu. La réponse du Seigneur fit, Ayez foi en Dieu. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre le livre de Paul, épître de Paul aux Hébreux. Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 11. Nous allons lire le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Quand Jésus a maudit les figuiers, et le lendemain, quand il revenait, quittait encore Béthanie pour aller à Jérusalem, Pierre était très attentif et il a jeté un coup d'œil, a vu que le figuier que le Seigneur avait maudit, était devenu sec. Et il a dit, Seigneur, regarde le figuier que tu avais maudit. Asséché. La première parole que Jésus les a dit, il a dit, Ayez foi en Dieu. Il faut croire en Dieu. Et Paul a dit, Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent avec diligence. Si tu cherches Dieu, il va se révéler à toi. Si tu cherches Dieu, il va se manifester à toi. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Tu ne peux avancer dans ton voyage spirituel sans avoir foi en Dieu. Tu dois croire que Dieu existe. Et quel est le rémunérateur de ce qu'il cherche? Donc, si tu cherches Dieu de tout ton cœur et que tu crois que Dieu existe, peu importe combien ça prendra du temps pour que tu puisses recevoir la réponse de ta prière, crois que Dieu existe. Il ne faut jamais décourager. Il ne faut jamais dire que Dieu ne me connaît pas, Dieu n'existe pas, mais où est Dieu? Mais si Dieu était là, mais s'il était vivant, mais pourquoi ceci m'arrive? Non, cela t'arrive pour augmenter ta foi. Donc, peu importe à quel niveau ou la circonstance peut t'amener, ayez toujours foi que Dieu existe. Et Dieu est capable de te faire sortir des circonstances, du moment et du temps que tu traverses. Parce qu'il n'est pas loin, parce qu'il n'est pas absent, parce qu'il n'est pas distrait. Il est prêt et il est vivant. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il paye. Il rémunère, il lui paye ceux qui le cherchent. S'il cherche Dieu,
Dieu te payera. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, il te payera. Si tu jeûnes, tu te mets à genoux, tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, ma foi regarde à toi. Seigneur, je me tourne vers toi. Sache qu'il va te payer pour avoir fait cela. Mais avant tout, ayez foi en lui, cherche-le et il te payera. Ayez foi en Dieu. Tu ne peux pas le plaire sans avoir la foi. Et quand tu as la foi en Dieu, il est le rémunérateur, ceux qui le cherchent. Tu le cherches, il va te payer. Il va te rémunérer. Tu auras un salaire. Dieu te donnera un salaire approprié, la rémunération. Il te payera. Tu auras un salaire de la part du Seigneur qui te payera régulièrement. Si tu le cherches, tu régulièrement. Si tu cherches Dieu régulièrement, la rémunération signifie aussi salaire. Salaire, pardon, pas salaire. Salaire. Rémunération signifie salaire. Dieu te donnera un salaire constant. Un salaire constant qui montera par. Vous savez, quand tu travailles bien dans ta compagnie, il y a toujours l'augmentation de salaire. Et alors, si tu cherches Dieu avec diligence, il va te payer. Et sa rémunération ne baisse pas. Sa rémunération va en montant au fur et à mesure que tu le cherches. Au fur et à mesure que tu le cherches, au fur et à mesure, la rémunération monte. Le salaire monte. Il fait augmentation, il augmente, augmente, augmente. Donc, ne te fatigue pas. Toi, continue à chercher sa face. Et lui va te rémunérer. Alléluia. Oh, n'est-il pas bon? N'est-il pas bon? Alléluia. Ainsi, Seigneur, je viens en ce moment avec le petit jeu de prière et il faut en dire. Tiens, si on te cherche, tu vas nous payer. Il va nous payer, Seigneur. C'est toi qui l'as dit, ce n'est pas un homme qui l'a dit. Parce que l'homme, ce que l'homme peut parler, ça va échouer. Mais ce que Dieu parle n'échoue jamais. C'est pour cela que je viens devant toi, ensemble avec mes frères, pour 5 minutes, 10 minutes de prière. Regarde, Seigneur. Le diable est venu avec le doute. Quand il a amené le doute, Seigneur, chez Adam, chez Ève, à douter à la parole de Dieu. Le salaire de l'incrédulité, de douter à la parole, était le péché, la mort est entrée. Et Adam et Ève furent chassés de l'Éden. Mais quand Abel t'a approché par la foi, en tuant l'agneau par révélation, tu l'as payé, Seigneur. En exaucant sa prière. Même si quand elle avait tué, la voix d'Abel continue à crier jusqu'à vers toi, papa. Alléluia. C'est pour cela qu'elle dit, ayez foi en Dieu. Car personne ne peut être agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. Et il est le rémunérateur. Tu payes ceux qui te cherchent. Il te révèle à ceux qui te cherchent. Il y a un salaire pour ceux qui croient en toi. Alléluia. Anne t'a cherché avec diligence. Elle ne s'était jamais fatiguée, Père. Elle priait. Elle priait. Alors que Pénina la menaçait, elle priait. Elle croyait en toi. Elle n'est pas allée chez les féticheurs, ni chez les marabouts. Ni chez le diable pour chercher l'enfant. Il a tenu bon sa foi, a tenu bon. Et tu l'as visité. Et tu as donné à Anne, Samuel et ses frères et ses soeurs. Je viens devant toi, Seigneur. Avec ce confinement, la foi de beaucoup a baissé. Les doutes commencent à s'installer parmi ton peuple. L'harmonie commence à disparaître. La ferveur et l'énergie commencent à pâlir. Oh Seigneur, la vigueur et l'énergie de prier, de s'attendre à toi, de croire en toi, a commencé à disparaître parmi tes enfants, Seigneur. Pendant ces 3 mois de confinement mondial, beaucoup se sont mal conduits. Beaucoup pensent que Dieu n'existe pas. Beaucoup pensent même que Dieu nous a abandonnés.
Mais je sais que tu ne nous as pas abandonnés. C'est le prêtre de notre foi. Et ce nom de Jésus-Christ, Père, viens. Les disciples, quand ils étaient, ils voyaient que ça n'allait pas. J'ai dit, Seigneur, augmente notre foi. Et ce nom puissant de Jésus-Christ, Père, je prie en ce moment les démons de doute, les démons de peur, les démons de faiblesse spirituelle, les démons de découragement total. Au nom de Jésus-Christ, sortez, sortez, dehors du peuple de Dieu, allez tomber au désarroi dans le puissant de Jésus-Christ. Père, renouvelle l'énergie de ton peuple, comme tu avais renouvelé l'énergie de Samson. Que la foi puisse monter, que la foi puisse émerger, que la foi soit augmentée, que la foi soit démontrée, que la foi en Dieu soit réelle. En fait, quelqu'un nous a dit à la montagne, ôte-toi de là et tombe dans la mer sans douter. Nous le verrons s'accomplir. Mais Père, en ce moment, je te supplie et je t'implore. Ayez pitié de ton peuple. Ayez pitié de ton église. La foi de beaucoup a baissé. D'autres sont tombés dans l'immoralité. Des jeunes ont engrossé les femmes, les filles du monde. Les filles se sont laissées déverger par les garçons du péché, les garçons du monde. Les mariés se sont vautrés dans l'adultère. Des gens sont devenus méchants, piquants, découragés. Voulaient briser le mariage, causer le divorce. Les gens ont découragé de prier. Découragé de lire la parole. Découragé de renouer des prières. Ils sont devenus des formalistes. Ils battent seulement parce qu'ils venaient prier. Mais dans leur cœur, la foi a pâli. La foi a régressé. Oh Seigneur Jésus. La déficience de la foi. Faible transfusion sanguine, Seigneur. La foi de beaucoup est devenue anémique. La foi de plusieurs est devenue anémique. La foi de plusieurs est devenue anémique, Seigneur. Fais-nous une transfusion sanguine. Donne encore l'énergie à ton église. Donne encore la foi fervente à ton peuple. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne laisse pas les diables se glorifier. Et secours ton peuple. Viens au secours de notre foi. Viens au secours de ton peuple. Que nous puissions tourner nos faces vers toi. Que nous puissions te rechercher. Et tu ne remineras la terre de ceux qui te cherchent. Oh Jésus. Mon divin roi. Mon Seigneur. Manifeste ta grâce, Jéhovah. Révèle-toi au milieu de nous. Prouve de qui et de comment et de quoi tu es capable. Et révèle-toi. Augmente notre foi. Qu'on ne regarde pas aux symptômes. Mais qu'on puisse regarder au Dieu qui est au-delà des symptômes. Qu'on ne regarde pas aux circonstances présentes. Qu'on regarde d'abord derrière ce qui était déjà fait pour nous. Et qu'on regarde devant, car la circonstance actuelle va prendre fin. Mais le futur glorieux est devant nous, Seigneur. Soutiens ma foi, Père. Soutiens la foi de ta fille. Soutiens la foi de ton fils. Qu'il marche sur le péché. Qu'il marche sur le mal. Qu'il marche sur les démons. Qu'il marche totalement sur la mort, le chaos spirituel. Soutiens notre foi, Père. Montre de quoi tu es capable, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Ne nous délaisse pas, mon Dieu. La foi de beaucoup a baissé, Seigneur.
augmente la foi. Donne encore un boost, un relèvement. Que l'énergie puissante de Dieu, alléluia, se déverse comme les laves de volcan. Et quand les laves de volcan coulent, ça consume tout ce qui se trouve devant. Et ça les rend de pierre. Seigneur, que notre foi puisse monter, devenir comme les laves de volcan, puisse couler, Père, et consumer tout au passage. Consumer la peur, consumer le doute, consumer l'immoralité, consumer la jalousie, consumer le découragement, consumer le mal. Et que la vigueur de Dieu et la gloire du Seigneur puissent se manifester, Père. Nous venons chez toi. Parfois, nous agissons comme Pierre. Tu as dit à Pierre, sors du barque et marche sur les eaux. Et Pierre l'a fait. Mais on marcha sur les eaux. On voyait le miracle s'accomplir. Il a commencé à penser négativement. Est-ce que c'est vrai? Mais cette vague-là qui va arriver, ça va m'engloutir. Et il commença à encore à faire quoi? À submerger. Parce que sa foi était ébranlée. Sa foi était diminuée. Seigneur, aide-nous. Parfois, on prie pour nous. On est guéri instantanément. Mais après, on commence à bouger un peu le corps. Est-ce que c'est vraiment parti? Et subitement, les douleurs commencent à revenir. Ce n'est pas ta faute, papa. C'est nous. Alors qu'on n'est même pas malade. Mais on se dit qu'on est malade. On n'est même pas malade. Mais on se dit qu'on est malade. On n'a même pas de problème. Mais nous, on a des problèmes. Oh, secours, Père. Secours notre foi. Secours la foi de ton peuple. Secours la foi de ton peuple. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Où irons-nous encore, Père? Aujourd'hui, je viens devant toi. Pour demander, Seigneur, chasse les doutes, déplace l'incrédulité, écrase le peuple à peur, démolis les jeunes ne peux pas, ôte-nous la peur, la peur, la peur, dehors au nom du Seigneur Jésus-Christ, la peur du mal, la peur du péché, la peur des démons, la peur des sorciers, la peur de tout ce qui est démonique, dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que la peur, c'est la malédiction, c'est le plus grand ennemi de la foi. Mais donne-nous, Seigneur, une foi stable. Une foi stable. Une foi agissante. Une foi opérante. Une foi agissante. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe dans quel continent tu es. Dans quel pays tu es? Dans quel moment tu es? Seigneur, augmente la foi de ta fille. Augmente la foi de ton fils. Élève notre foi plus haut, Seigneur. Élève-nous plus haut. Élève-nous plus haut. Que l'onction vienne sur toi. Et que tu sentes en toi l'assurance que Dieu t'a restauré. L'assurance que Dieu t'a fortifié. L'assurance que le feu de Dieu s'est allumé en toi et tu vivras le surnaturel et la victoire de Dieu comme jamais auparavant. Et si toi qui doutes, ne doute plus, je chasse le doute de toi et la paix dehors au nom de Jésus-Christ. Sois fort et sois forte et marche en victoire parce que Jésus est à ton côté. Merci Seigneur. Merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, recevez ta victoire, recevez votre victoire, recevez votre victoire, recevez et célébrez votre victoire, et célébrez la foi, dansez la foi, louez la foi, chantez la foi en Dieu, dansez pour Dieu, la foi en Dieu, élevez la foi en Dieu, que le Seigneur élève ta foi, que le Seigneur visite ta foi, que le Seigneur manifeste ta foi, et que le Seigneur se révèle et révèle ta foi d'une manière extraordinaire, maintenant même, au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen et Amen et Amen.
Que Dieu te bénisse richement et qu'il paye ta foi, qui donne un salaire, qui donne un salaire à ta foi. À tout le temps que tu recherches, qu'il te paye, qu'il te paye, qu'il te rémunère, qu'il te rémunère, qu'il te rémunère au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. À bientôt dans une autre âge de prière. Aujourd'hui, je n'ai prié que pour que Dieu élève ta foi et relève ta foi. Que Dieu te bénisse. Shalom.